Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus répondit et lui dit : Qui éprouve de l'amour pour moi, ma parole, il la garde, et mon Père l'aime affectueusement. Et auprès de lui, nous venons, et une demeure auprès de lui, nous faisons. Celui donc qui n'éprouve pas de l'amour pour moi, ma parole, il ne la garde pas. Et cette parole que vous entendez n'est pas mienne, mais du Père qui m'a envoyé. Ce sont ces choses-là dont je vous ai parlé, tandis que j'étais auprès de vous. Ce paraclet-là donc, l'Esprit de sainteté, celui que le Père envoie en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et lui vous remémorera tout ce que je vous dis. Je vous laisse la plénitude. Je vous donne la plénitude. Ce n'est pas de la façon dont le monde la donne que moi je vous la donne. Que votre cœur ne s'alarme pas et qu'il ne craigne point. Vous avez entendu que je vous ai dit « Je m'en vais et je reviens auprès de vous ». Si vous éprouviez de l'amour pour moi, vous vous réjouiriez que j'aille auprès de mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, avant que cela ne soit, afin que lorsque cela sera, vous croyez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus répondit et lui dit : Qui éprouve de l'amour pour moi, ma parole, il la garde. Et mon Père l'aime affectueusement. Et auprès de lui, nous venons, et une demeure auprès de lui, nous faisons. Celui donc qui n'éprouve pas de l'amour pour moi, ma parole, il ne la garde pas. Et cette parole que vous entendez n'est pas mienne, mais du Père qui m'a envoyé. Ce sont ces choses-là dont je vous ai parlé, tandis que j'étais auprès de vous. Ce paraclet-là donc, l'Esprit de sainteté, celui que le Père envoie en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et lui vous remémorera tout ce que je vous dis. Je vous laisse la plénitude. Je vous donne la plénitude. Ce n'est pas de la façon dont le monde la donne que moi
je vous la donne. Que votre cœur ne s'alarme pas et qu'il ne craigne point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens auprès de vous. Si vous éprouviez de l'amour pour moi, vous vous réjouiriez que j'aille auprès de mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, avant que cela ne soit, afin que lorsque cela sera, vous croyez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.